Salut à tous, alors aujourd'hui on va visiter le centre en fait, de sauvegarde des ours chinois. Donc c'est situé au pied de Tam Nao, c'est sur la route de Tam Nao. Donc voilà, allez, à tout de suite. Alors voilà, on est entré dans le parc en fait, où il y a dans le centre de sauvegarde des ours de Chine. Il faut savoir que les ours de Chine en fait sont beaucoup utilisés pour leur bile, parce que dans la communauté asiatique, beaucoup plus chinoise et un petit peu vietnamienne, on part du principe que la bile des ours de Chine a un effet médicinal. Et donc ils sont souvent gardés en captivité dans des petites cages et on leur prend leur bile en fait. Donc voilà. Donc ce centre en fait a été créé justement pour les protéger et pour les sauver en fait. Il faut savoir que, alors j'ai vu, je ne sais plus de quand datent les chiffres, mais il y aurait 10 000 ours en Chine et dans les 2500 au Vietnam. Donc voilà, là au-dessus vous pouvez voir, c'est Tam Nao, donc on est vraiment au pied. Et donc on commence la visite. En fait, il y a un bâtiment et donc il y a un deuxième bâtiment de quarantaine. On en a déjà passé un. Il y a aussi la cuisine parce qu'en fait, chaque ours ne peut pas avoir le même repas parce que certains n'ont plus de dents. Donc voilà, ils suivent. Et il y a aussi la clinique vétérinaire si jamais il y avait des problèmes. Donc voilà. Donc là, on peut voir que le cadre est vraiment sympa. Ils ont une petite rivière. Ils sont vraiment au milieu du parc national de Tam Nao. Et donc voilà, donc il y a l'air d'avoir plusieurs maisons. Et le parc a l'air assez étendu, c'est vraiment sympa. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment au milieu de la nature. On n'entend pas un bruit. Donc c'est vraiment incroyable. Donc je suppose que c'est un conteneur pour transporter les bières jusqu'à les ours jusqu'à ici. Donc il y a 170 ours aujourd'hui. Donc voilà, pour certains ours en fait ils vont les remettre en nature, ils font juste en fait, ils essaient juste de trouver le meilleur moyen pour être sûr qu'ils ne retombent pas en fait dans les mains de braconniers. Et pour certains, ils sont obligés de les garder toute leur vie en fait ici parce que à cause de leurs problèmes qu'ils ont, le fait qu'ils aient plus de dents, ils ne pourraient pas rester. Ils ne pourraient pas survivre, pardon, dans la nature seule. Donc en fait, il y a 5 sur tout le parc, en fait, dans tout le centre. Il y a 5 maisons avec 2 parcs de ce type-là. Et chaque parc peut contenir 20 ours. Et donc dans chaque en fait enclos il peut y avoir 20 ours. Ici c'est en fait c'est la première maison, donc je vais montrer après le plan. Et dans chaque enclos il peut y avoir 20 ours pour être sûr maximum, pour être sûr qu'ils vont avoir assez de surface pour chaque ours pour vivre dans un espace correct.
Con ơi, đừng lùi ra đây. En plus, on est vraiment chanceux parce qu'il ne fait pas trop chaud, pas trop de soleil, donc c'est vraiment agréable. Et il n'y a réellement que les bruits de la nature, que les sons de la nature. Voilà. Donc il faut savoir aussi que par rapport à la pile et l'utilisation médicinale, par rapport aux connaissances anciennes de la pile des ours, il faut savoir qu'aujourd'hui on a quand même des produits qui font en fait, qui ont les mêmes effets sur l'organisme. Et donc voilà, on a plus besoin d'utiliser la pile, mais bon, on en revient des anciennes croyances. Pour certaines personnes, ça reste quand même le meilleur moyen de se soigner. Et ça permet de soigner vraiment, soi-disant, vraiment énormément de maux. En fait, fut un temps pour acheter quelques millilitres de bile d'ours, il fallait mettre quasiment un mois de salaire, voire la moitié d'un mois de salaire. Et donc, c'était vraiment très très cher. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup moins cher, parce qu'il y a beaucoup moins de gens en fait. Parce que c'est moins commun. Et en plus, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont morts en prenant de la bile, justement, en voulant soigner, ils en sont morts. Parce que le problème, c'est qu'avec les tubes qui m'aident pour récupérer la bile, c'est infecté, ça peut se mélanger avec beaucoup de choses. Et donc, paraît-il qu'au Vietnam, il y a déjà eu 4 cas de personnes qui sont mortes en prenant, en fait, en buvant de la bile d'ours et en voulant soigner. Donc voilà, là on peut voir un petit peu tous les jeux. Et puis les boissons en fait pour chaque ours. Pour leur donner à manger ou pour leur donner leur médicaments s'ils en ont besoin. Donc ils sont vraiment bien, ils ont un bassin, ils ont des jeux. Alors, il faut savoir que dans cet enclos, il y a un ours en fait, un ours brun. On ne voit pas pour le moment, mais il y a un ours brun.
voilà, on a fini la visite du centre. Voilà, c'est vraiment un endroit sympa, agréable à découvrir, surtout quand la météo est comme aujourd'hui. Et en fait, c'est le premier centre qui existe. Et il n'hésite pas à inviter en fait d'autres personnes, à former d'autres personnes pour créer d'autres centres comme celui-ci au Vietnam. Donc voilà. Donc maintenant on a fini de visiter le centre, de voir les ours. Et voilà, on va visiter un petit espace en fait où il donne un peu plus d'informations, où tout est centralisé.